Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir Tatiana. Je vous le rappelle, Tatiana a une chaîne YouTube dont j'afficherai l'adresse en dessous. Elle a une chaîne YouTube et actuellement, elle est à Moscou. Je vous recommande donc d'aller voir ses posts, je crois quotidiens, de YouTube sur sa chaîne. Alors surtout, n'oubliez pas de me contacter si vous souhaitez prendre la parole dans ce parole libre d'internaute. Vous me contactez sur mon site web. Bonjour Tatiana, mais alors Bonjour Philippe. vous êtes où? Dites-moi tout. Je suis dans un pays où on met des gens au goulag pour tout et rien. Voilà, je vous montre. Ouh là 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 là, c'est dangereux ça. Qu'est-ce que c'est que Je vous montre. ces immeubles là, ouais, blancs? Alors, ils sont pas vraiment blancs. Ils sont blancs avec des petits couleurs au milieu. Ils sont faits avec du carrelage. C'est un peu comme en Portugal. Je pense que c'est parce que plus souvent, mais surtout, il y a beaucoup de neige. Alors, du coup, les maisons, elles sont protégées, enfin, je suppose. Mais c'est pas toujours comme ça. Il y en a qui sont faits juste en briques ou en peinture. Ici, ils sont couverts du carrelage. C'est rigolo. Oui, j'ai pas dit où j'étais. Je suis à Moscou. Je suis à Moscou, mais je suis dans les zones, ce qu'on appelle des zones dortoirs. Pas du tout, genre place rouge et tout ça. Je vous montre une Moscou où les gens habitent. Vous voyez, enfin, la Moscou de Moscovite. Et ça fait Voilà. combien de temps que vous n'êtes pas revenu à Moscou? Je ne vous dirai pas, j'aurais honte. Je veux dire, joker. C'est mon joker de. Je vous promets de répondre à toutes les autres questions, mais pas celle-là, d'accord? S'il Et vous plaît. alors, vos impressions? Ça a beaucoup changé, ça a grandi, ça a devenu, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus vert, mais en même temps, ça reste exactement pareil. Les gens sont aussi, les caractères de Russes ne changent pas. Ils sont toujours aussi ouverts, enfin, toujours aussi, c'est des Russes, quoi. Enfin, je veux dire, ça reste D'accord, pareil. c'est-à-dire. Et dans les années 90, c'était difficile, c'était très difficile. La Russie, les gens étaient aigris, les gens étaient pas heureux, resserrés sur eux. Et là, ils redeviennent des Russes comme moi, je les connaissais à horrible époque de l'Union soviétique. C'est-à-dire que solidaires, ouverts, ça communique très facilement. Les enfants jouent énormément entre eux, les gens se parlent entre eux. C'est cool. La Russie d'aujourd'hui, il est cool. Là. En revanche, il est, comment dire, ah oui, on voit aussi les gens colorés, avec les gens habillés d'une façon bizarre, avec des punks, enfin, je sais pas comment on les appelle, avec des coupes drôles dans tous les sens, tout ça. Mais ça reste quand même très bon enfant. Et c'est très famille. Ah, il y a des enfants partout, partout. Vous arrivez à parler avec la population russe? Vous arrivez à Excusez-moi? parler avec les Russes? Ah oui, je parle la russe parfaitement. Mon français, en revanche, il régresse à une vitesse, à pouf! Un grand V, quoi. J'ai un V gigantesque, je dirais même. Ah non, non, non. Surtout tout ce qui est féminin, parce que là, mon cerveau a un peu plus de mal à réadapter. En français, je veux dire. En russe, si, il y a des trucs où je comprends pas toujours, parce que la langue, elle a évolué dans le sens que ben, la Russie évolue, donc il y a plus de portables, il y a plus de tout ce qui est connecté. Il y a des termes que je connais pas. Je le comprends pas. Il m'est arrivé un truc très rigolo. On me parlait des cabinets privés. Pour moi, un cabinet privé, ça reste un truc en dur, quoi, voyez, un truc où le roi va tout seul, quelque part. Alors que si, les cabinets privés, c'est votre compte sur votre application. Donc, voilà. Alors, c'est un petit exemple. Donc, au moment où le vendeur m'a expliqué que j'allais tranquillement réfléchir dans mon cabinet privé à ce que je voulais faire, bon, voilà, c'est juste un petit exemple, mais c'est vrai que ça m'a pris un peu de temps. Voilà, c'est des Et petites. alors, C'est un petit complot. vous leur dites que vous êtes française? Je dis que je vis en France. Voilà, Et alors? si je leur dis que je suis française, ça, non, ça passe pas. Ils disent, vous êtes russe, vous resterez russe à tout jamais, et je suis d'accord avec eux. Donc, voilà, je suis russe, mais je vis en France. Alors, ils me demandent comment ça va en France.
Voilà. Alors, je commence à leur expliquer. Eux, ils me disent, oui, on a déjà attendu. Après, ils disent un petit mot qui va vous faire très plaisir. Ils disent, les pauvres, en parlant des Français. Voilà. Donc, je dis, oui, mais enfin, quand même. Ils disent, non, non, quand même, les pauvres. Mais bon, ils disent, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein. Ah bon, voilà. Donc, c'est la deuxième phrase qui fait très plaisir. Voilà. Donc, les Russes, ils arrivent à nous plaindre. Voilà. Ça fait, comment dire, bah oui, ils sont gentils, les Russes. Ils nous plaignent parce qu'ils disent, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez vous faire autant de mal? Voilà. Ah bah, vous connaissiez Moscou. Et donc, vous Oui. avez vu un changement dans cette ville? Ah non, mais c'est énorme, c'est énorme. Je vous dis, la ville, elle est. Ça construit partout, mais partout, partout, partout. Ça construit absolument partout. Et surtout, la ville, elle change. Voilà, vous voyez, y a un terrain derrière. Il y a les enfants qui jouent au foot. Mais ça, vous avez un petit terrain pour faire du foot, du basket, de volley. Tous les, on va dire, 150 mètres. Alors, le niveau de vie en Alors, Russie, enfin, les niveaux de non, pas vie, en je vais Russie, essayer de. excusez-moi, à Moscou, il est élevé? Alors, Bon, c'est à Moscou, hein, on les est niveaux de d'accord. vie à Moscou et en Russie, c'est vrai que c'est pas les mêmes. C'est pas la même J'ai chose. réussi à tenir des plusieurs documents, justement, on relate tout. C'est pas le meilleur. Enfin, je veux dire, les salaires ne sont pas le plus haut à Moscou. Il y a des endroits où c'est plus haut. Enfin, c'est plus important. Les prix sont assez bas. Par exemple, mon ticket de métro, il coûte 60 centimes. Je le paye avec ma carte MIR. Je n'ai pas obligé d'acheter un ticket des tickets de métro exprès. Je prends ma carte bleue. Enfin, ici, il n'est pas bleu, il est vert. Donc, je prends ma carte verte. Et Voilà, il est de couleur verte. ça marche la carte Je verte? pose et ça m'ouvre. J'ai même une fois essayé avec la carte Visa. Ça a marché. Bon, ça a marché qu'une seule fois. Hein. Ça a marché qu'une seule Possible. fois. Tous les transports marchent avec ma carte verte. Enfin, en l'occurrence, elle est verte. Mais D'accord. on peut dire ma carte bleue. Voilà, tout marche ici à carte bleue. Mais voilà, 60 centimes, mon métro, je peux payer avec. Alors, c'est une carte bleue, Les... c'est une carte bleue que vous avez prise dans une banque russe. Oui, quand je dis ma carte MIR, ici, les cartes Visa. Alors, si on vient en Russie, la première chose à faire, c'est d'acheter une carte SIM. Sans votre téléphone, vous n'êtes personne. Oui, mais ça, bien sûr. Voilà. Et une fois que vous avez votre carte SIM, vous allez avec votre gros sac d'argent liquide à la banque. Vous ouvrez un Ah compte. oui. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. C'est très sûr. Très, très sûr. Ben, je veux dire, vous avez une retraitée qui peut se balader avec sa retraite entière dans un sac, moitié ouvert. Elle ne risque rien. Même si son argent elle tombe, vous allez avoir des gens qui vont courir, les ramasser et lui redonner. C'est vraiment assez impressionnant. Donc, bref, donc vous allez à la banque, vous déposez tout votre argent là-dedans, vous pouvez placer une partie, voilà, sur un compte dont vous n'avez pas le droit de toucher pendant 7 mois. Donc, ce n'est pas énorme. Et vous placez à, tenez-vous bien, à 14%. Tada! Voilà. J'ai toujours nationalité soviétique, mais il n'y a plus de pays. Donc, voilà. J'ai juste une nationalité française et j'aimerais bien récupérer ma nationalité russe. Ce qui fait que voilà. J'ai pas mal de choses à faire, questions administratives. Et je suis tombée à une période où les Russes sont en train de réformer tout leur système d'immigration. Et alors, c'est très simple. Pour lutter contre tous ces problèmes d'immigration, ils ont bloqué tout le système. Mais carrément, ils ont tout bloqué. Ils ont dit, ça ne marche pas. Comme ça, ben, tous les gens qui sont là d'une façon illégale, ben, ils n'ont pas d'autre choix que de retourner chez eux. Voilà. Donc, heureusement qu'on peut contourner, entre guillemets, ce système-là, c'est-à-dire qu'on peut gérer, au cas d'urgence, toutes ces affaires-là par des gens au guichet. Et Mais alors, bon, après, voilà. Tatiana, vous avez lu la presse russe ou pas, non? Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, mais j'écoute beaucoup d'informations russes. Bon, on parle pas beaucoup de France, je suis désolée.
On parle beaucoup de l'Ukraine, non? Non, pas tellement. Ben, on parle beaucoup de. Ben, vous savez qu'il y a. La Russie est bombardée très fréquemment. En tout cas, Belgorod, ça, c'est une ville où il y a les civils qui meurent tous les jours. Donc, on donne de nouvelles tous les jours des morts. On donne de nouvelles tous les jours des héros et il y a les nominations de gens d'actes de bravoure. Les Russes sont très fatalistes. Donc, ça, je pense que ça les aide de ne pas vivre dans une peur d'un éventuel U-boot ou une raquette. Parce que maintenant, c'est des raquettes hein, qui vont à Belgorod. C'est plus des drones. Ça a progressé. Voilà. Mais des raquettes de l'OTAN. Ben, ça, c'est comme ça. Et on dit, Et. est-ce qu'on dit que ces missiles sont français? Ça, on ne le précise pas. Enfin, en tout cas, les gens ne précisent pas. Parce qu'il y a eu une plainte, il y a eu une plainte du ministère des Affaires étrangères russe auprès de Oui. la France en disant, là, vous bombardez. Les Russes savent très bien qu'au niveau, en tout cas, plainte contre l'Occident, ça ne donnera rien. J'ai entendu dire que c'était de l'OTAN. J'ai entendu dire, parce qu'ils disent que les Ukrainiens n'ont pas de raquettes. Donc, si c'est des raquettes, c'est forcément des gentils démocratiques, comme on dit ici. Mais j'ai pas eu plus de précision. J'ai entendu parler, donc, Est-ce que c'est histoire que c'est français. antidémocratique? Des gentils démocratiques, oui, c'est ça. Que c'est? C'est ça. Dites-moi Le tout. mot démocratique, ici, on le prononce en rigolant, quoi. Voilà. On dit, oh, oui, on a vu la démocratie commencer en Irak. Et en Libye, voilà. Donc, on dit, nous, on aimerait bien rester pas démocratique, possible, si possible, laissez-nous en paix et pas démocratique, quoi, voilà. Et après, je vais retourner en ville. J'ai rendez-vous avec une copine que je n'ai pas vue depuis quelque temps. Ah Donc, on oui, va dîner ensemble. si vous ne l'avez pas Voilà. vu depuis votre départ, c'est vraiment quelque temps, non? Oh, ça va, je l'ai eu quand même par Ah téléphone. Hein. Enfin, oh, ça va, ça va, ça va. Ne ah. me faites pas honte, s'il vous plaît. Ne me faites pas honte, Philippe. Ça va. J'ai suffisamment honte déjà tout seul. J'ai pas besoin de. Voilà. Non, surtout ne me faites pas honte parce que j'aurais besoin de me justifier. Et du coup, je vais me justifier devant moi aussi en même temps. Et j'ai pas besoin de me justifier devant vous. J'ai aucune excuse. Voilà. Voilà. C'est bon. Je vais aller sur ce rentrer dans. Parce que là, je suis sur un balcon. Je vais rentrer. Je vais enlever ma ceinture et je vais me fouetter. Ne vous inquiétez pas. Ça va être fait. Merci Tatiana. Bon, alors je recommande votre site. Tate la Oui, rue, c'est ça? c'est Atlas Russe. Et normalement, tous les soirs, je fais un petit résumé de ce que je fais, sauf hier soir, parce que figurez-vous, j'ai rentré épuisée. Et vous savez ce que j'ai fait? Tanana! J'ai pris un gros bain, gros, gros, énorme bain, très, très chaud. J'ai resté 1 heure dedans, et quand le bain n'était pas assez chaud, j'ai rejeté un tout petit peu d'eau chaude, comme ça, voilà. Et j'ai pris un gros bain chaud. Qui durait des heures. Et ça, c'est un luxe que, voilà, enfin, j'ai que, voilà, on va dire, hein. En France, je ne le fais pas souvent. Déjà, je n'ai pas de douche, je n'ai pas de bain, mais c'est pas, voilà.